Et j'y vais. Test au-dessus des vignes. Les équipes de la société girondine Air Marine travaillent sur le projet Pélican, un drone livreur de colis pour le compte du géant français de la vente en ligne Cdiscount. Un drone qui sera totalement autonome et pourra transporter jusqu'à 5 kg de charge dans les airs. Allez, je vais foncer et mettre mon vol automatique. L'engin viendra se poser sur un terminal comme celui-ci, installé sur le toit d'un immeuble par exemple. Je m'arrête là. Pratique et surtout très rapide pour commander un livre ou une paire de chaussures. Vous passez une commande en ligne sur votre téléphone ou votre tablette et en fait vous choisissez une option de livraison express et en environ 1h30 vous avez votre colis dans votre point relais ou en bas de chez vous dans un automate directement récupérable au centre-ville. Mais ce drone livreur à côté de chez nous, ce n'est pas pour tout de suite. Les essais ont lieu dans un champ, mais à terme, l'appareil devra survoler les villes, au mieux à l'horizon 2025. Un drone livreur va travailler en ville, donc il faudra qu'il soit pourvu de sécurité, de sûreté à toute épreuve, qu'il résiste à des conditions aérologiques difficiles. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faudra qu'il soit silencieux. À Mérignac, une autre société girondine a conçu un drone XXL. Il fait 25 kg au décollage, il emmène un petit peu plus de 10 kg de charge utile et entièrement déployé. Donc quand on rajoute le diamètre des hélices, ça fait une belle bête. Une première mondiale, de par sa taille, mais surtout ses fonctions. Ces missions vont consister à envoyer en gros que des produits bio sur les cultures, sous forme de graines, sous forme de capsules et sous forme liquide, donc via des perches d'épandage notamment. Ce drone d'épandage a été développé pour deux grandes coopératives agricoles du Sud-Ouest. L'engin est programmé pour survoler les cultures à 5 ou 20 mètres du sol. C'est un drone 3 en 1 sur lequel sont vraiment en train de parier certaines coopératives agricoles parce qu'elles cherchent dès maintenant à trouver des alternatives aux pesticides. Testé au-dessus des champs de maïs landais, ce drone agricole sera commercialisé à partir de juin 2019. Son prix, 50 000 euros. Pour l'utiliser, il faudra une formation de pilote professionnel.